Les journalistes, chers invités, chers collègues, nous vous remercions de nous avoir fait l'honneur en répondant à notre invitation pour partager avec nous les préoccupations des travailleurs de SGS Sénégal, Société Générale de Surveillance. SGS Sénégal SA est une société de prestation de services de droit sénégalais, filiale d'une multinationale de renom, tirant l'essentiel de ses revenus dans ses prestations et activités professionnelles avec les principales entreprises et sociétés du secteur du pétrole et du gaz dans notre pays. Les travailleurs de cette société, dans leur entièreté, sont membres du syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz du Sénégal, Force du changement. À la suite de l'adoption de la convention collective du secteur du pétrole et du gaz le 2 août 2019 et la publication de l'arrêté 014-112 du 27 avril 2023 portant extension de ladite convention, le collège des délégués du personnel n'a cessé d'interpeller la direction de la société, la SGS, pour entamer des négociations en vue de la migration vers la convention collective du secteur du pétrole et du gaz en lieu et place de celle des auxiliaires de transport en vigueur depuis la création de la société. Je précise qu'à l'époque, jusqu'en 2019, il n'existait pas de convention collective dans le secteur du pétrole et du gaz. Les entreprises et les sociétés du secteur ont toujours fait appel à différentes conventions, commerce, mécanique générale, entre autres, pendant que d'autres concluaient des accords d'établissement. En effet, depuis 2019, nous avons engagé des négociations internes avec SGS Sénégal SA qui ont toujours buté sur l'inflexibilité, l'insouciance de M. Chimer Sibi, qui est le directeur général, un homme lige au service des actionnaires, loin des réalités socio-économiques du Sénégal, mais très regardant de la rentabilité de leurs investissements surveillés par cet homme de service dévoué. Les représentants des travailleuses et travailleurs, soucieux de la pérennité des emplois et de la rentabilité de leur société, réitèrent leur attachement au maintien d'un climat social apaisé, des relations de travail constructives et durables, conformes à l'orientation de leur organisation syndicale professionnelle, le SNTPGS-FC, et de leur centrale syndicale, la CNTF-FC. Face au refus obstiné du directeur général, M. Chimer Sibi, de se conformer à l'arbitrage des services de l'administration du travail, consistant soit à engager des négociations d'une convention d'établissement, soit à appliquer les termes de la convention de branche du secteur du pétrole et du gaz. De guerre lasse, l'attitude de la direction de SGS Sénégal, SA, n'offre aucune autre alternative aux délégués et à leur syndicat que de décréter un mot d'ordre de grève dans l'établissement à la suite de toutes les formalités qui s'imposent. À la suite du préavis de grève en cours depuis le 20 mars 2024, il ne saurait être question d'accepter de demeurer dans la convention des auxiliaires de transport, ce que nous considérons comme une aberration, étant donné que plus de 80% de l'effectif de la société exerce dans le cœur de métier du champ d'action de notre organisation syndicale professionnelle qui est le pétrole et le gaz. Madame, mesdemoiselles et messieurs, je vous remercie de votre bienveillance, de votre bienveillante attention, et nous restons disposés à répondre à vos questions. Thank you.